Rider, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Et oui, nous sommes déjà en 2022 et je vous retrouve pour la toute première vidéo de l'année. A l'occasion, j'ai décidé de faire un petit débrief sur l'année 2021 sur YouTube, les conventions et tout ça, les personnes que j'ai rencontrées. Je vous ai préparé un best-of des meilleures scènes de mes vidéos et des scènes coupées, donc j'ai un peu mélangé tout, vous allez voir, c'est assez drôle, ça dure à peu près 3 minutes le best-of. Je vais directement faire un petit débrief de ce qui s'est passé, c'est-à-dire les paliers atteints comme les 1000 abonnés, vous allez voir, je vais tout expliquer ici. Et encore merci à vous. Alors l'année 2020, ça a été une année pas ouf, on va pas se le cacher, mais pour moi sur YouTube, ça a été une année pas mal. Puisque j'ai eu l'occasion au mois d'août tout simplement de passer les 1000 abonnés, je crois bien que c'était le 22 août. J'avais lancé un live avec mon meilleur pote et il s'avère qu'on a passé les 1000 abonnés en 20 minutes. Alors pour mon prochain live, il faudra qu'on revoie l'organisation parce que là, on s'est un peu ennuyé, on va pas vous le cacher. L'organisation, la chose à revoir pour 2022. Un truc ouf qui s'est passé et que je n'aurais jamais cru, c'est tout simplement les 54 000 vues sur mon tuto double écran, ce qui est totalement énorme. Je crois qu'on a 2200 pouces bleus et plus de 250 commentaires. Donc sur une chaîne de 1500 abonnés, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on y reviendra pour les 1500 abonnés juste après. Et le tuto wheeling qui a atteint 37 000 vues et 1600 pouces bleus à peu près. Donc franchement, vraiment merci à vous. Je n'aurais jamais cru. Je pense que j'aurais pas mis de tag style tuto wheeling, etc. Ça n'aurait pas autant percé. Mais là, franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. En quelques semaines, ça a pris une ampleur pas mal. Aussi, autre chose qui s'est passée sur cette chaîne, on a dépassé la barre des 100 000 vues en tout rassemblé, toutes les vues de la chaîne. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Je crois qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 116 000, à peu près, un truc comme ça. Et nous sommes aux 1500 abonnés. Donc, j'ai gagné à peu près 500 abonnés en... Allez, 3 mois. Donc, c'est pas mal pour une petite chaîne qui a démarré il y a moins de 2 ans. Bientôt, le 11 janvier exactement, ça fera 2 ans que la chaîne existe. Donc ça commence à faire longtemps quand même, ça passe vite. Et du coup, comme je vous le disais à l'instant, nous sommes 1500 sur cette chaîne. Alors merci à vous de vous être abonnés. N'hésitez pas aussi à partager de temps en temps les vidéos si ça vous fait plaisir et que vous pouvez aider quelqu'un. Moi je le fais de temps en temps, par exemple des tutos de Salut les Noobs. Si quelqu'un a besoin, et ben je peux lui envoyer, ça aidera toujours. Alors dans cette année, au mois de septembre, à la rentrée, on a eu l'occasion, enfin j'ai eu l'occasion mais avec... plusieurs personnes, de faire la Turte Geek Convention, donc le retour des conventions, mais pas pour longtemps, c'est ce que je me disais tout à l'heure, puisque là, comme vous l'aurez vu, le Covid reprend en flèche, donc à mon avis, j'espère pas, mais je ne pense pas qu'il y aura de Grocher Geek Convention cette année, mais bon, l'avenir nous le dira, hein, si le Covid s'arrange un peu en espace de ce petit temps entre la Grocher Geek, je sais plus trop quand c'est, mais c'est en début d'année, ça je le sais. Donc on espère qu'on pourra faire la Grocher Geek, voir un peu de monde, comme à la Turto. D'ailleurs, à la Turto Geek, on a pu revoir du monde et tout, c'était génial, comme l'a dit Salut les Noobs dans l'interview. Donc ça a fait plaisir de revoir du monde et de surtout revoir des connaissances que j'avais déjà aperçues. Donc Salut les Noobs, bah, maintenant ça fait déjà 2 ans que je le connais à peu près. Donc j'ai eu l'occasion de monter mon PC avec lui en ce début d'année, donc on a bien commencé l'année, on va pas se le cacher. J'ai pu revoir quelques exposants que j'avais déjà croisés dans les années précédentes, comme Jeff de Jeff Microservice, donc à Crypto Les Snowball, donc c'est un informaticien. Voilà, j'ai pu voir Salut les Noobs, etc. et rencontrer du monde comme Gen Geek Style. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais je pense. D'ailleurs, si tu passes sur cette vidéo. Alors ensuite, j'ai pu rencontrer Nemco de la chaîne Nemco Show, et c'est une association de jeux vidéo rétro. Voilà, ils essayent de collectionner un peu tout ça. Donc franchement, c'est pas mal. Il a une chaîne YouTube, je vous la mettrai en description. Mais voilà, j'ai pu revoir du monde et ça nous a fait plaisir. N'empêche, c'était une grosse vidéo quand même, 18 minutes. Alors un truc que je suis un peu déçue, c'est que je voulais qu'elle sorte vite, du coup... Je vous ai fait un montage de qualité, mais un peu trop précipité, donc ça c'est ce qu'il faudra que je revoie, parce que bon, elle a quand même fait 478 vues, je crois, exactement. Mais voilà, faudra revoir un peu, ne pas se précipiter pour vous sortir un contenu de qualité. Aussi, il y a eu le lancement de la série Les Bons Plans et Tech, d'ailleurs ça continue, je ne sais pas jusqu'à quand, parce que moi ça me, enfin ça m'aide pas vraiment dans cette chaîne, mais ça me fait plaisir de vous partager les bons plans quand même. Donc ça prend du temps à faire, surtout de trouver toutes les annonces, etc. Des fois, il y a des youtubeurs qui trouvent des annonces un peu intéressantes, qui les partagent, donc j'essaye de vous les repartager, mais j'essaye de dégoter un peu mes annonces que j'ai trouvées personnellement. Donc j'espère que la série vous plaît. Donc voilà, j'espère que mon contenu vous plaît, et puis n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Il y a pas mal de personnes qui le font en ce moment, c'est pas mal, merci à vous. Et puis ça aide au référencement de la chaîne qui est en train de monter en ce moment, hein, doucement mais sûrement. Donc j'espère qu'on va continuer l'année 2022 dans ce rythme, tout en montant, ça fait vraiment plaisir d'avoir une communauté qui grandit un peu. J'aurais jamais cru atteindre 1500 abonnés en un an et demi, même si ça paraît pas beaucoup, c'est déjà pas mal, hein. Et donc moi je vous laisse avec le best-of et on se retrouvera pour la fin de la vidéo.
Tout. On passe directement à la partie du setup. Vous l'attendez depuis quelques mois et c'est aujourd'hui que je vais vous le présenter. On passe maintenant à la partie setup. Vous l'attendez, vous l'avez attendu. Tout le monde me spamme sur Instagram. Ouais, c'est quand la vidéo setup? Eh ben les gars, c'est tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Salut Rider, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va. Salut Rider, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Si je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est car aujourd'hui, on va faire une vidéo. Je suis joueur pro du Street Fighter. Allez, c'est parti. Chun-Li, non, en plus, je choisis même pas mon perso. J'ai horreur de Chun-Li. Ouais, ça tourne. Et donc là, nous sommes avec du Covid. Donc, j'espère que tu vas bien t'amuser encore cette journée sur la carte. C'est pas fini, mais pour l'instant, c'est saucisse. Ah ouais, il rigole plus. Bon, là nous sommes en direct avec le livreur Uber Eats de la convention. Donc il couvre la convention avec son petit sac à dos. Il a livré plusieurs saucisses frites. Donc je te laisse te présenter. Au moins, est-ce que les saucisses elles étaient bonnes ou pas? Franchement, c'était pas très chaud. C'était vraiment froid. J'irai voir le custo à la fin alors. Je pense que t'as mis du temps à venir. Donc, et c'est mon cousin, donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sur la Cruche Geek. la Turto Geek Convention. La Turto Geek Convention. Salut Rider, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va extrêmement bien. 1000, je sais pas si 92. En fait, et ça a l'air vraiment facile quand même là. Alors, je me dis, on est niveau 4, donc est-ce que mon cerveau va suivre encore après? Je ne sais pas. Dupont se rend au numéro 1792. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Et moi, je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. Et surtout, bonne année! Bah oui, bonne année, on n'oublie pas. L'année 2022, on espère que le Covid va pas trop nous embêter, même si ça fait 2 ans que ça dure. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!